Après avoir vu la série Squid Game, j'ai vraiment eu envie de dessiner Sebiok. Je trouve qu'elle a un magnifique visage. J'ai décidé de la faire uniquement avec des traits, donc aucun coloriage, aucune aquarelle pour une fois, simplement des hachures qui vont venir déterminer les zones d'ombre. Je trouve d'ailleurs que c'est un super exercice pour s'améliorer. Ça va vraiment vous permettre de déterminer où est-ce qu'il faut placer les différentes zones d'ombre. En tout cas, ça m'a grave détendu de faire ce dessin, j'ai adoré le faire. Et pour terminer, j'ai rajouté une petite fleur dans les cheveux. Je trouvais que ça rajoutait un petit charme. Et voilà le résultat. J'espère que ça vous plaît. Moi, j'aime bien le style que ça donne en tout cas.